Bien. Et qui s'en va. Très bien. Oh là. Déjà, je m'attendais pas à ça. Comme musique. Hop. Est-ce que ça s'affiche? Ah, voilà. C'est quoi cette musique de ouf déjà? Ça me plaît ça. On retrouve l'ambiance qu'il y avait dans... Comment il s'appelait ce jeu déjà là? Giant Machines. On avait fait un let's play dessus là. Et il y avait un peu le même délire de faire des trucs épiques alors que c'est des putains de véhicules. French quand même. Ah oui! Yes! Ça c'est trop bien ça! J'adore ça! Quand tu peux mettre en français que c'est des traductions comme ça là. Pardon. J'ai beaucoup trop joué ce soir. Ah, il y a des changements quand même entre bas, moyen et haut. Cette musique est ouf là, c'est... Je vais me faire strike par un copyright ou ils l'ont vraiment payé cette musique? Tu fais train, après tu fais chinois vu qu'il y a eu égalité. C'est clair, je peux faire ça aussi. J'adore cette putain de traduction par contre. C'est une vérité que je vous dis là. On devrait limite rester plus... AZERTY, oui par contre 100%. On devrait limite rester un peu plus longtemps sur cet écran parce que... Là c'est le mieux qu'on aura en fait de ce jeu là. Je pense, hein. Bonne nuit, Calliope. 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 Jeu, nouveau jeu. Ouais, profil. C'est bon, développeur. Ah! C'était quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'il faut que je compte. Test. Ah, mais ils... Ah non, ils étaient 1000 en fait. Ok, ils étaient pas 7. Hein. Ça, c'était les 7 différents trucs. Ah, bah, ça va être pas mal. Jeu, nouveau jeu. Franchement, on sait pas parce que. Le simulateur, autant il y a eu. Il fut un temps, c'était forcément de la merde. Mais maintenant, il y en a qui sont vraiment bien. Hein. Tutoriel, principes généraux du jeu. Ah. Ça, c'est bon, ça. Bienvenue dans le jeu mécanicien de locomotive 2017. Attendez, faut que je change le titre du stream, je crois. Pour mettre ce que c'est. Enfin, pour. Pour que je mette ce que c'est. Hop. Ils ont aucun respect même pour leur jeu en fait. Ils laissent ces traductions sortir comme ça là, en Google. Mécanicien de locomotive 2017. À tout à l'heure, Galouche. Ah, la simulation. Oh, ok, il y a déjà un bon titre. Je me permets juste de le modifier pour mettre la vérité. C'est quoi? C'est Mécanicien de locomotive 2017. Tiens, de locomotive. Et ça, Twitch. Ah, mais je peux pas le mettre. Putain, c'est vraiment de la merde, ma vie. Ça pour ça. Ça, Twitch, il connaît. Par contre, l'autre fois, j'ai joué à un vrai jeu. Et il connaissait pas. Hein. Mais votre tâche consistera à réparer des véhicules ferroviaires dans trois types d'ateliers différents. Vous devrez prendre soin à la fois de machines à vapeur simples et archaïques. Archaïques et de locomotives électriques ultramodernes. Vous devrez confier chaque type de locomotive à l'atelier correspondant. Bonne chance. Ces textes-là, je pourrais me permettre de pas les lire, clairement. Sauf qu'il y a beaucoup trop de perles dedans. Bon, il y a un petit problème de souris là, si tu peux me permettre. Sauvegarder, non, ça va. Je l'ai fait. Effet son. Attends. Attends. C'est dans effet la souris? Non? C'est nulle part en fait, faut que je la règle moi-même. C'est ça que j'ai une souris Jammer. Oh là, mais ça va pas du tout en fait là. Bon, j'ai peut-être pas vu où c'était dans les options, je vais tenter de pas bouger trop vite. Commande. On va explorer déjà. Voir ce qu'il y a. Bon, déjà, franchement, c'est pas trop moche. Table de réparation électrique. Oh putain, non, mais ça va. Oh, j'ai dit que je lisais les trucs, mais faut se calmer là. Ah, c'est dans écran. Ok. Si la réparation est réussie, cette composante sera réparée 90-100%. Le prix de réparation est beaucoup plus faible que l'achat de nouvelles pièces, puis vous améliorez la table de réparation. Ouais, en fait, je sais pas pourquoi j'ai lu juste la fin comme si ça allait m'aider. J'ai pas eu le reste. Mais gamme. Ouais, c'est ça, on est d'accord, c'est gamma. Et sinon, il n'y a pas la souris, non? Ou alors je vois pas. C'est luminosité invertie souris, non? C'est bon. Donc il y avait le truc de réparation électrique, il y a le truc de réparation mécanique, mais ça va! Oh! Là, c'est quoi? C'est hydraulique? Ok. Là, tout ça, je peux pas interagir, je suppose, je peux pas sortir, non. Dégourdir un peu, je vais être un travailleur forcé. D'accord. Donc, je vais aller au centre de commande, là. Je sais plus comment ils appelaient ça. Commande, juste. Bienvenue dans le système de réception des commandes. À cet endroit, vous pourrez prendre en charge les commandes mission destinées à un atelier donné. Dans cette fenêtre, vous pourrez basculer entre différentes commandes et ignorer une tâche pour éventuellement la terminer plus tard. Bon, c'est quoi ces traductions-là? Il fut un temps. Il fut un temps, c'était plus le bordel dans les traductions. Bon, numéro 1, bienvenue dans le jeu de mécanicien de locomotive 2017.
Votre première mission sera une simple réparation de train par laquelle vous découvrirez les principes du jeu. Votre tâche sera la réparation de locomotive, oui, dans les suspensions en acier et caoutchouc, dans le bogie. Avant, ont été endommagés. Le bogie avant. Je pense que ça risque de vous handicaper en fait d'être en français. Ça y est, Huawei. Alors, pas trouvé. On dirait que la cause de la panne de la locomotive est l'endommagement d'un bogie. Une bougie, non, c'est ça? Probablement, ce sont les suspensions en acier et caoutchouc. Recherchez la cause exacte de la panne et remplacez la pièce par une nouvelle. Revenu pour la tâche, 125$. Ouais, c'est le travail forcé, quoi. Afficher la facture. Vente de... Ouais. Putain, mais la musique qui passe, par contre, ça va, hein. Elle passe extrêmement bien. A plus, Sinkard, bonne soirée. Bogie, c'est les rouges, je me connais en tout. Tu peux m'aider, vas-y. Parce que franchement... Ah ouais, Bogie de traction. Putain, mais ça s'appelle vraiment comme ça, c'est pas une erreur de traduction. En train, j'y connais que dalle, hein. Je le dis, là. C'est bon. Bon, bah, je vais voir. Dans ce mode, vous pouvez démonter tous les composants accessibles sur une locomotive. Souvent, pour être en mesure d'accéder à certaines parties, vous devrez en retirer d'autres. Même si ce sont des aimants en bon état, n'oubliez pas ce détail. Putain de dieu. Dans quoi est-ce que je me suis lancé exactement là? Suspension caoutchouc métal. Et donc il y a une pièce là-dedans qui va pas. Mode montage, mode examen, commande, état. Ça. Je suis pas passé en. Si, voilà. Ouais, bah. Et donc si je clique par exemple sur. Suspension. Non, si je trouve sur. Essieu de. Boîte d'essieu. Non contrôlé. C'est-à-dire quoi ça? Mode d'examen. Ah, dans ce mode, vous pouvez vérifier l'état des éléments individuels sur le train afin d'estimer le rapport coût-efficacité de la réparation. Rappelez-vous, plus le niveau d'usure d'une pièce est élevé, plus grand est le risque d'échec de la réparation de cet élément. J'ai du mal, hein. Ah, il faut rester appuyé, ok. Ouais, c'est un Car Mechanic Simulator, j'avais l'impression aussi, Dark Blood. Ça doit être exactement la même chose, mais avec des trains. Bon, bah écoute, je vais vérifier un petit peu. C'est comme ça que je vais la trouver, la pièce. Je sais pas, il doit faire comme ça en vrai, je suppose. Tat tat. Salut T-Wenty, comment tu vas? Ah non, tu t'en vas. Putain, ok. Bon, tournoi de foot. Allez, enjoy. Cette nuit par contre, ça je m'y attendais pas. Ah, celle-là elle est pétée déjà. Et celle-là là-bas? Non, ça va. Ah, voilà, il y en a deux dans des pièces pétées en plus, il nous a dit, je crois. J'espère. Mais bon, les trucs ils sont gros là, on a l'impression qu'on a moins à faire du coup. Voilà. C'est dommage qu'on ait plus. À moins qu'on puisse, non, on a peut-être. On peut peut-être changer la radio. Si on la trouve dans la pièce, non? J'aime bien la musique pour un jeu comme ça. Eh oui! Bon, je crois que j'ai trouvé les pièces, hein, concrètement. Et du coup, mode démontage. Ah, c'est ça qui est sympa, c'est qu'en fait, au début, ce qu'on fait, c'est qu'on examine les problèmes. Voilà, je vois là les 97% et tout ça. Bon, là, j'ai peur de me tromper, mais je suis quasiment sûr qu'il m'a dit qu'il y avait deux pièces qui allaient pas. Donc là, pour démonter ça, il faut que je reste appuyé un peu partout. Et il enlève les clous, enfin les vis. Hop, ça c'est fait, c'est enlevé, ça disparaît. Ça va vite dans mon garage. C'est à toi. Voilà. Hop, ça dégage. Bah voilà. Et donc à partir de là, mode montage. Attends, parce que là j'essaie de me familiariser avec les commandes, c'est extrêmement bizarre. Comme ça, non, voilà. Ah, magasin des pièces détachées. Dans cette fenêtre, vous pouvez gérer les pièces détachées possédées. Vous pouvez les vendre, alors le profit de leur vente permettra de diminuer la hauteur des factures. Plus elles sont en bon état, plus grands sont les profits générés. Putain, comme elles valent cher déjà. Mais attends, j'ai choisi là. Mais non, c'est moi où je l'ai remis. On va voir, mode examen. Ça va pas me saouler longtemps ça. Là je suis en train de la remettre, je suis sûr. Bah ok, non, là je suis dans le mode montage. Commande, état, magasin des pièces. Voilà, il faut que j'aille là. Pourquoi il m'a dit que j'étais dans le magasin des pièces tout à l'heure? J'étais pas, non? Vendre? Ou réparer? Le mec il répare tout seul sa loco, tout est normal. Oui, c'est ça. T'en fais pas. Moi je veux juste acheter en fait des nouvelles pièces, parce que là c'est un peu de la chasse, non?
Je vois l'état de ces pièces là, moi j'aimerais bien les... Attends, il faut que je sorte, je pense qu'il faut que je sorte d'ici, ouais. Et que j'aille réparer. Oh putain, j'espère que vous êtes pas envolé avec le... j'ai cru que je m'envolais par la fenêtre tellement j'ai tourné la caméra vite. Réparation électrique. La bougie c'est là, vous pensez? Enfin, les conneries que j'ai là. Table de travail inappropriée, bon ça va aller vite. Ah. Oh oui, c'est assez cher donc pour ces messieurs. Non. Bah allez. Je peux. Bah allez. Je pense que c'est ça qu'ils veulent hein. Cette fois je suis un peu n'importe quoi mais bon. Je pense que c'est ça qu'ils attendent d'un bon mécanicien. Hop, c'est encore envolé. Mode montage, donc là je clique là dessus. Choisir. Et là je vais la remettre, ça va être fou. Yes, vas-y, vas-y, la satisfaction va être grande. Mais oui, mais on la voyait en fait, elle était rouillée un peu. Bat bat la patate. Je sais pas si t'arrives. C'est le cas, salut. 4 000 euros, oui non ça... Ça tape un petit peu, je vais te payer... combien là, il me disait? Ah voilà, il semble que tout est déjà réparé. Vous pouvez achever le travail de la carte de commande. Les nouvelles commandes se trouvent sur la table des commandes dans le bureau. Marrant ça, commande, commande, commande. Par là, j'entends la radio. Non? C'est pas par là? C'est là? Ah, je peux pas changer. Attendez, quoi que... Si je fais C... Faire foutre, ça va aller vite. Bon, la table des commandes là. En cours? Le revenu 250, prime 500. Allez, faites-moi voir la M. Voilà. Terminé la commande. Bah voilà! Yes! Ah bah voilà, il repart fièrement. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à nous, ça fait quand même plaisir. Prends un café pour le RP. Bah écoute, j'ai du coca là. Voilà, je l'avoue, j'ai du coca. Ça fera. Si je prends un café maintenant, par contre, je vais pas dormir de la nuit, ça va pas le faire. 750 balles, putain, ça me sème un peu. On remarque que ça a pris 3 secondes. 500 balles, alors c'est quoi? Conducteur se plaint d'un système de freinage défectueux. Retrouvez la cause de la panne et faites la réparation. Mission est un peu plus difficile. Gardez à l'esprit que chaque pièce de rechange se répare sur une table correspondant à son type. Si vous n'arrivez pas à réparer les pièces, vous pouvez en acheter de nouvelles dans le magasin à l'aide de la tablette. Ok. Il repart son conducteur. Allez, j'accepte ça. Salut Lord Matt. Pas trouvé. Bon, système de freinage déjà. On sait que c'est dans la bogie de traction. Alors, c'est bien d'être dans la bogie de traction, tout bien. Il y a 3 pièces hein, sur cette putain de train, j'ai l'impression. Ah, excusez-moi d'être vulgaire, mais des fois je pète un câble aussi, j'en ai marre. Boîte d'essieu, châssis de bogie, amortisseur de machin. Bon, tout bien, ça va aller vite avec moi. Ça va être mode examen. Je regarde un peu. Étrier de frein. Des freins. Moi, dès qu'il y a marqué frein dedans, vous savez, je suis contrôle, je suis naïf. Oh, c'était pas ouf là l'état du truc. 98%, ça devrait aller. Bon, je suis censé faire ça comme un con ou c'est pas du tout bon là ce que je regarde, je sais pas. Je me demande parce qu'attendez, je vais juste voir un truc. Je vais voir la commande, vous voyez ? Prime pour un coût minimal. Il faut pas que je dépense plus de 5700 pour avoir une prime de 500$, ça. Ok, sinon c'est 250, sérieux? C'est ma gueule ou comment ça se passe là? Je sais, moi qui pensais qu'on allait conduire des trains et tout. Ah non! J'ai hésité avec un autre jeu qui s'appelait comment déjà? Jalopy, je crois que c'était. Mais alors là, on serait mort, je pense, devant. Mais vous, j'ai l'impression que ça vous plaît ce genre de jeu en fait. À chaque fois, les jeux bien lents et tout. Avec moi, ça c'est bien ça. C'est pas un truc de frein ça? Ah si, piston hydraulique de frein, j'ai reconnu. J'avais reconnu la pièce, je dois vous avouer. Conduite hydraulique de frein. En fait, ça fait tellement de possibilités de trucs qui peuvent foirer pour les freins là. Ah ouais, d'accord. De frein encore. Ah, ça aime bien freiner ces trucs là. Moi qui essaie de faire la conversation autour d'un café avec un... Alors attendez, parce que là c'est quoi ça? Piston hydraulique de frein encore. Mais il y en a 1000. Bon. 95%, franchement, moi ça me semble honnête, hein, les gars. 98. Mais je vais finir que j'aurai le truc tout vert en fait, c'est avec ça dans ma vie. Oh, il y a des trucs encore là, essieu de roue. Ah, il m'a dit il faudrait peut-être démonter certaines pièces pour accéder à celles d'en dessous. Salut, Yopecta. Pecta, pardon. La joie du travail bien fait quand ton patron te dit que tu auras une prime si tu bacs le travail. C'est ça. En plus, je veux dire, ça c'est le truc qui arriverait jamais quoi. C'est. Si c'est le client qui paye, il s'en fout totalement, ton boss, que tu dépenses de la thune.
Bon, du coup, je regarde tout, hein, c'est bon. Tu as ça après. Ouais, il faudrait peut-être que je démonte des trucs là encore. T'as un 16. Enfin, encore, comme si je l'avais déjà fait avant, tu sais. Une nouvelle race sur Stellaris, les go. Des gros lézards réparateurs de. A plus, Reiki. Ah non. Moi, je pars enfin en vacances jeudi prochain, d'accord. Moi, j'ai eu je pars, tu sais, au quart de tour, je me suis dit putain, il s'en va. Elle s'en va. Ou il. Excusez-moi hein, de pas savoir là. Ta-da. Ouais. Ah, pour attendre. Mais il y en a encore. Mais il y a tout ça. Mais ça, c'est ouf. Par contre, ma vie, c'est ça en fait. C'est de check les trucs de frein. Ah, merde, bien. J'adore. Ça, je sais pas si c'est compté comme quelque chose pour les freins. Donc bon. Je veux dire, maintenant que j'ai presque tout vert, ce serait un peu con de s'arrêter maintenant, hein. Vous êtes d'accord avec ça? Si ça se trouve, c'est juste à l'avant, tu sais. Rien! D'accord, des trucs pas en vert, c'est ça. C'est ça mon objectif, tu dis ça pour rigoler, mais. Tu connais pas la folie en fait d'un stream là. Un stream qui me fait jouer à ça et après va se plaindre peut-être que c'est lent. Ok, il en reste encore partout là. J'ai vu ici, je les ai vus là, je vois une pièce là déjà. Truc fixateur du. Du truc électrique et moi je fouille ça, c'est comme si ça allait avoir un impact. Bon voilà, alors ici c'est fait. On va aller voir devant en fait. Mais on va regarder que les pièces. Genre les trucs où il y a marqué frein. Parce que là j'ai regardé tout en fait. Tiens les machins hydrauliques là, fais-moi voir. 98. 15. Bon après s'il m'a menti et qu'il m'a dit qu'il y a un problème avec les freins mais il n'y en a pas. Moi je. Enfin je vais tout casser en fait, ça va être ça la vie. 95. Non. Ah mais ça c'est vrai ça hein, Dark Blast. Oh putain oui. Merci la Providence. Il y en a un autre là au moins. Il y en a au moins un autre qui va déconner. Alors attends. Parce que là du coup tout ce qui est par là j'ai envie de fouiller. Déjà ouais le châssis ça aurait été pas mal de le faire dès le début. Non. Non c'est juste ça. Là il y a un autre truc hydraulique tiens. Non, celui-là, ça va. Ça, c'est du frein, ça, non? Ouais, mais attendez. Il y a trois pièces, donc endommagées à trouver. J'en ai trouvé qu'une. Oh, yes! Putain, oui, c'est toute la... Bah oui, ça, c'est toute la courroie de distribution. Rien du tout. J'y connais que dalle. Oh, yes! Ils sont là! Ok, les fautifs sont ici. Par contre, j'arrive pas du tout à me déplacer dans leur mode de truc, là. Voilà, merci. Ok, alors maintenant, mode montage. Ah mais putain je suis con, on voit qu'ils sont rouillés en plus de ouf. Enfin je sais pas si c'était le cas avant mais... Mode démontage plutôt. Sauf qu'il faut que je démonte avant le truc au-dessus, c'est ça? Voilà. Maintenant je peux accéder à ça. Yes! Mais putain mais ça va, franchement j'apprends... Je veux pas... Voilà. Je peux pas faire mon chien mais j'apprends vite hein. Ouais regarde ce qui est rouillé, la prochaine fois je ferai ça. C'est-à-dire en même temps... en quoi je veux dire c'est forcément... Ah alors là c'est quoi qui bloque? C'est le truc en dessous. D'abord j'enlève ça. C'est un peu con ça non. Je veux dire les pièces qui fonctionnent pas sont pas forcément rouillées dans les trucs j'imagine. Ce serait un peu ouf. Alors j'ai chopé les trois c'est ça. Maintenant si je puis me permettre. Ouais j'ai tout ça là qui traîne. C'est quoi ça? Ah oui conduite hydraulique de frein. C'est juste qu'elle me bloquait dans... Elle bloquait le progrès en fait. T'as trouvé ta vocation c'est ça. Alors c'est des trucs électriques ou pas? Non c'est des trucs mécaniques. Certains d'entre eux. D'accord j'ai pas tant sur toutes les lignes. Ça déjà ça coûte moins cher les bouts de ferraille là. Nana. La pièce quoi? Essai de réparation terminé. J'ai les chances de réussite inférieure à 100% là. Comment je fais? Je fais quoi? Je rachète une, c'est ça? Je vais me faire foutre. Piston hydraulique. Wow! La pièce est encore plus endommagée. Mais il se fout de ma gueule. C'est un truc de fou ça. Ah bah là. Ah non ça je peux remonter. Putain! Nanana, Tétanos Simulator. C'est ça, bon. Je sais pas pourquoi je suis revenu là, je voulais me plaindre au mec, au client là. Bah du coup je vais devoir les racheter, c'est ça? Enfin je vais les vendre et les racheter. Piston hydraulique de frein, attendez. Comment? Je peux pas les acheter, il faut... Parce que comment je fais? Ah c'est pas mal ça, je vais s'appuyer sur C, je vois l'état de ce que j'ai... Regardez, si je fais V.
Ah d'accord. Je vais laisser quand même, c'est plus joli. Tableau T. Tutoriel tablette, voilà, c'est ça qu'il m'avait dit, il faut que je les achète sur la tablette. Je suis pas sûr, mais je crois que si tu n'analyses pas les pièces, tu vois pas si elles sont rouillées. Ah d'accord. Je regarderai. La prochaine fois, je regarderai de toute manière si je les vois rouillées ou pas. La tablette est votre centre d'information, vous pouvez y ouvrir des boutiques en ligne. Sérieux? Avec des pièces, 3 magasins sont disponibles, un mécanique, un hydraulique, un électrique. Vous pouvez améliorer votre atelier. Blablabla. Ouais, alors attends, il faut que je m'en rappelle là, vraiment, je peux pas avoir la comparaison à côté. Attends, moi je peux pas là. Je te le dis. Si, voilà, I. Parfait. Parfait ça, c'est bien fait. Piston hydraulique de frein. Ça va te faire chier. C'est trop bien, il y a un système de recherche quoi. Là déjà, il devrait trouver là, non? Ouais. 4000 balles, monsieur le client. Tranquille, ça va? C'est bien de venir chez moi. Je sais même pas réparer des pièces. Étrier de frein. La tête du client quand tu lui dis. Hélas, la pièce est encore plus endommagée. Encore, j'ai pas essayé de la réparer. Étrier de frein, ça vaut combien cette merde? 1500 balles! Ah oui, bien, bien. Capitaliste se porte bien en tout cas. Donc ça, c'est pas mal. Non, je suis. Ah, ça, le panier est encore là. Commander, oh, je m'en fous, ça coûte. Y'a pas les frais de port? Expédition, 10$! Mais quel enfoiré! Genre 10$ pour envoyer ça? Mais tu te fous de moi? Ah bah, ouais, mais bon, comment j'étais censé faire là? Hein? Parce que moi, je veux bien faire les trucs, mais il a pas voulu réparer correctement. T'as pas encore essayé de réparer le piston? Ah! J'ai trop de trucs là, je vais les vendre, ceux-là ils me saoulent. Piston hydraulique, mais attends, j'ai essayé d'en réparer deux quand même. Je crois, je sais pas si c'était pas les deux là. Essayer de réparation, ah non. Bah tiens, j'ai essayé de le réparer. Bon, ça me saoule, par contre je vais faire toutes les tables sans même regarder ce que c'est, ce sera plus simple. Non mais ça va, je peux vivre ou c'était où là? Là il y avait trois tables, il y en a de l'autre côté. Eh. Là, il y a un truc là. Là. Musique par contre là ça va. Les mecs ça leur prend pas le chou toute la journée d'avoir ça. On est d'accord qu'il y en a trois là. Texas Oil. Non. Je vais vous dire les trucs, je vais faire une fois. Attends, là il y a un atelier aussi, non? Ici, non? Que dalle. En même temps dans le bureau. Allez. Ok, ça c'est juste pour regarder les trains, ça m'intéresse pas. D'accord, c'était pas là quand même. Non. Ça doit forcément être un des trois, donc je peux pas sauter, parce qu'à chaque fois je vais me prendre le pied dans le truc, je vais crever à force. Et c'est table de machin inapproprié. Ah non, mais d'accord, j'ai essayé les deux. Putain. Moi je devenais fou, je me disais, ah j'ai pas tout fait et tout. 183 balles. 175, toujours ça. Bon, il va falloir que je remette tout là. Vous êtes prêts? Donc c'était là. C'était là. Et comment je fais pour remettre? Mode montage, voilà. Je sais pas pourquoi je demande en fait, je sais. Comme ça. Hop. Je dois mettre ça en premier? Soit, mon brave. Choisir. Je te choisis. Hop. Je peux mettre dans mon propre garage. C'est un peu ça, ouais, la tristesse des choses, là. C'est un petit peu ça. Oh, bah ça va, un peu plus, s'il vous plaît. Pas plus chiant. Je peux faire le mec chiant, mais il y a plus simple que des clés de 12 maintenant pour visser. Des trucs automatiques, hein, mais bon. Excusez-moi, je vais vous laisser vivre dans le passé, messieurs. Ça se pose juste, on le fixe pas. Ça, on met un peu de scotch. Et c'est bon, ça tient. Bon, c'est bon du coup là. Good to go. Attendez, non, on va peut-être remettre l'étrier de frein. Oh putain, j'ai failli. J'ai failli, hein, j'ai failli. Choisir. Hop, tiens mon brave. S'en met un boulon. C'est bon. On est bon là, je pense qu'on va faire rentrer le flouze. Je vais te payer genre 200$, tu sais. En cours, non, de quoi en cours? Ma commande là, je vais la voir. Tout de suite. Coup prévu, 5700. Oh putain. C'est pareil, la gueule du client, tu sais. Tu lui fais le devis, tu lui dis, ouais, ce sera à peu près 5700. Excusez-moi, j'ai un employé, il a un peu, bon, il était en train d'essayer des trucs et. Ah, il a pété la pièce un peu plus, du coup, on a dû racheter deux pièces. 9200 du coup. Je suis quand même payé, donc ça va. Merci pour le phone, Nabil Sali. Non, ça vient pas de moi, l'écran noir. Confirme. Manquerait plus que ce jeu-là, en plus, ça tourne pas bien, tu sais. Voir la commande, accepter. Je vais juste lire la commande parce que sinon je vais galérer. Réparer les locomotives qui ont été endommagées quelque part sur les voies ferrées du monde du jeu. Le monde du jeu, genre il y a un monde extérieur, un monde de mythos. Puis de les remorquer vers les ateliers à propos. C'est fait, vous allez utiliser le train spécial de. Vraiment, je vais faire ça. Putain, mais oui, il y a un monde extérieur. Cette fois, la locomotive diesel. Putain, est tombée en panne dans la case D1. Oh, mais c'est ouf. Retrouvez-la et remorquez-la vers l'atelier, nous soupçonnant une panne du. Mais putain, mais oui. Je veux sortir d'ici. Je suffoque ici en fait, monsieur.
Et c'est la troisième commande sur 25. Donc dire qu'on va finir le jeu ce soir. Le fou furieux. Comment je sors? Je vais par là. What's your speed? Quitter le garage. J'y vais à pied ou comment ça se passe? Finalement, on refait la locomotive entière. Ça va plus vite. Yes. C'est tellement kéké, bordel. Toute l'identité du jeu, quoi. Entre le rock de garage et ça, là. Ce genre d'image. Et ce chargement qui dure aussi longtemps que celui de Bloodborne. Ah! Non, mais ça, par contre, ça va être ouf, là. J'annonce, ça va être insane s'il y a des modes de jeu comme ça, là. Ok, augmenter la puissance, diminuer la puissance du... Du quoi? S'il te plaît. Freinage, ok. Klaxon. Oh! Par contre, il est bizarre ce klaxon. Il fonctionne par dégradé de son. Je sais pas si vous entendez, le son s'étouffe peu à peu. C'est caméra. Oh oui! Pardon. Aux oreilles. Mais oui, quand même. Ça, c'est trop cool, franchement. Et je déconne même pas, je trouve ça cool. Il était pas dans la case D1. Par exemple, c'est marqué en haut. Attends. La case D1, c'est genre... Hein? Ah, ok, c'est inversé. Je me disais, putain, c'est vers le bas, c'est un peu chaud d'y aller. Ah, d'accord, donc c'est là-haut, là? Ils se foutent de ma gueule ou comment ça se passe? D1? Mais... En fait, je suis un peu loin, je sais pas si vous avez vu ça. Bon, on y va. Ah, alors. Attends, terminus diesel. Voilà. Aiguillage vers la ville. Oh, bordel. C'est ouf, par contre. Aiguillage vers où, là? Je vois pas. Vers quoi? Vers... Oh! Vers le terre... Vers le terre... Minus diesel. Pardon. Vite, vite! Je vais pas, là, hein. J'y vais... Merde, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah! Pardon! Attends. Freine. Arrête tout. Stop. Ah, attendez, quoi que... Mais si, en fait. Ah, mais si. Ah, si. Non, c'est bon, en fait. Désolé, je voulais pas tout arrêter. Mesdames et messieurs, c'est pas... On est reparti, vous en faites pas. Ah, bah là, on est tranquille un petit moment. Je m'attendais pas, en fait, à ce qu'on aille aussi vite dans la map. Alors, je vais aller vers la droite là. Port-Est. Attends, et c'est. Non, c'est vallée côtière. Je comprends pas. Comment je sais là? Bah, Port-Est, vas-y. Change. Ah, ça marche comme ça, ok. À droite à gauche. Mais des fois, ça marche pas à droite à gauche, hein, par contre. Excusez-moi de vous le dire. Putain, c'est trop cool. On va à une vitesse en plus, ça, c'est incroyable. Est-ce que je dois freiner dans les virages ou tranquille? On remarque qu'on fait du 60, sérieux. C'est marrant, hein, comme là, on fait du 60, mais dans PUBG, quand tu fais du 80, t'as l'impression que tu vas moins vite que ça. Hein. Enfin bon. Juste des points de comparaison pour ces messieurs. Ça vous fera de quoi réfléchir un peu ce soir avant de dormir. Raconte-nous une histoire sur la route, j'ai pas le temps, la route elle dure 2 secondes en fait. Bam bam. Oula, en tout cas il y a un beau clipping de fou. Ça je suis toujours au bon endroit là, mais ce train va à une vitesse par contre c'est hallucinant quoi. C'est suffocant en fait. On va vape un peu, là je vais à la gauche ou à droite? Attends. Ah. Oh, dernier moment. Parce qu'en fait, je préfère arriver par le haut, on sait jamais, il doit être bloqué par là. Je vais avoir le temps de freiner quand je vais à une vitesse de connard comme ça. S'il y a un train devant moi, je vais crever. Hein. Ah, il est là, freine, ouais, n'abuse pas. Ok. Il va falloir que je le remorque, c'est ça? Il a mis le boost, c'est ça? Il y a un moment, il s'est tapé un speed. Donc, là, on part par là. Parce que pourquoi? Il faut que je revienne où? Terminus diesel, ah. Oh yes. Il y aura juste quand je serai à Grand Lac Nord vers Grand Lac Sud, il faudra que j'aille. Vous êtes prêts? Ça vous fait visiter un peu le pays? Le state? T'inquiète, c'est un jeu, mais non! Quand on va s'en souvenir à quoi sert le TGV. Ça. Oula, mais on est chez les cowboys là, ils ont fait des biomes et tout quoi. Et du coup, ouais, je remorque les miskines derrière. Alors? Bolos! Moi, je veux l'expérience complète là, voilà. La cheminade complète. Et donc, est-ce que je peux déjà accéder au truc à l'avance? Un petit peu, ouais, je vois Grand Lac Est déjà. Mais moi je veux Grand Lac Sud. Ah, Grand Lac Nord. Non, c'est Grand Lac Sud, il faudra que je change. Par contre, quand je suis dans cette caméra, je peux pas interagir avec quoi que ce soit, donc faut faire attention. Grand Lac Sud, hop, j'ai changé. Et du coup. Eh non! Ah, bah c'est bon en fait, il était déjà aiguillé comme il fallait. Nanap, nanap, nanap.
Bon bah parfait, on va le réparer après, je vais lui faire payer 12 milliards d'euros. Déjà quand je fais que les réparer, je vais payer 10 000 au lieu de 5 000. Mais alors, si en plus je vais chercher votre train, attention. Attention, ça va très vite. Ça monte très vite l'addition. Centre-ouest. Hop. Voilà, centre-sud. Centre-sud. C'est que je te dise, moi quand t'as des trucs qui s'appellent comme ça, ça aide pas quoi. Non, 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 non. Si ton train fume à ce point, il y a un souci. Non, t'inquiète, c'est juste qu'il a fond. Il y a le nitro, il y a le boost. Attention, parce que j'ai même pas le temps de boire, non, je suis sûr. Axe central nord. Et gars, je vais le Tamius diesel. Ah bah voilà. Parfait. Là, on va être bon. Ah bah c'est bon, là, j'ai même plus besoin de toucher quoi que ce soit, j'ai l'impression. Peut-être au dernier. Peut-être au terminus, il va me dire de me garer à un endroit spécial. Non, 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 il s'est barré, Yankee. Comme un lâche. On va dire, il y a certains modos qui se placent plus haut que d'autres, hein, mais voilà. Yankee se place tout en bas. Hop là, ça c'est dit. Oh putain, attention! Non, j'ai encore le temps. Tam, tam. Oui, les virages, hop là. Faut être confiant, hein, surtout que les poteaux et tout sont placés tellement proches. Il n'y a pas de distance de sécurité normalement pour ça. Véhicule endommagé a été restauré correctement et remorqué dans l'atelier. Allez à la réparation, yes! Alors, comme prévu, le problème était un endommagement du pignon d'entraînement dans le bogie. Faites le démontage et le remplacement, revenu pour la tâche, $250. Ok, mon petit seigneur, je vais te le faire, $250. Hein. Le pignon, donc, attention au pignon. Est-ce que c'est le pignon avant? Alors les pièces rouillées, c'est ça? Ouais, je les vois. Yes, on voit les pièces rouillées. Mais c'est bon, en fait, on est des dieux maintenant. Hein. Je vais faire l'examen pour faire plaisir, mais on sait déjà lesquels c'est. Maintenant qu'on sait ça, on est des dieux, en fait, sur cette planète-là. Les roues ont pas l'air top non plus, mon brave. Tu veux que je te change ça ou pas, là? Alors tes essieux. Ah non, 91%, mais putain, l'état de merde qu'elles sont, déjà. Bon, excuse-moi, je veux pas juger ta guimbarde, mais... Et là? T'en as 14. Pourtant, ça commence un petit peu, on voit des taches, quoi. À moins que ce soit le métal, vous savez, ce métal-là qui fait rouiller de base. Attendez, je peux voir la commande vite fait. Pignon entraînement, c'est de là. Ok. Il y en a juste deux, on est d'accord. Donc, mode montage, est-ce que je peux y accéder direct? Normalement, il me dit quand je peux pas. Là, il me dit, va te faire foutre. Ah non, c'est mode démontage. Pardon. Tu as tellement un mec qui saute, mode démontage. Alors, qu'est-ce qui bloque? C'est ça? Ça a dégagé, je crois. Hein. Hop. Voilà. C'est quoi qui bloque? Petit seigneur? Rien du tout. Je préfère. Bonne réponse. Là, ça bloque. Allez, casse-toi. C'est bon, pignon entraînement. Ok, alors ceci étant fait, je vais réparer les deux pignons. Et cette fois, s'il te plaît... Oh, mes yeux, ma tête, mon cœur. 9, 17. Pas top, c'est pas tip top. 5%, 5%. Bah, comment je fais? Je peux améliorer mes chances de réparer? Parce que je veux dire, 5%, je fais quoi là? Je chiale. Bon, alors, le problème... Un dieu se crée tout seul, go, pas avec l'aide des viewers. Ok. Ah, ce gameplay est sympa, hein. J'hésite à réparer, parce que s'il le rend pire encore, vu que j'ai 5%, j'ai envie de dire, je suis dans la merde, de toute manière. Bon, tu peux réparer cela, j'ai 100% de chance. Bravo. Merci. Ça te plaise. Coup, j'imagine, c'est le prix qu'elle vaut, la pièce, non? On va regarder. Non, c'est pas pareil, c'est le coût que ça me coûte d'essayer de réparer. Ouais, je vais en acheter une directe de nouvelles et puis les vendre quoi. Parce que ça me reviendra moins cher, c'est sûr et certain. Sors ta petite tablette là de bébé Kadom. Où est-ce que c'est? Comment je faisais déjà? C'était ici? C'est bon pas. Commande, c'est M non? Bah non. Bien, je vais tout faire, ça va aller vite. Tes tableaux, ah mais oui, putain, tableau, mais je suis con, c'est vrai que c'est un tableau au final, hein. Si on traduit bien, c'est un tableau, hein. c'est pas la tablette, non, c'est un tableau. Alors, magasin de pièces. Bon, c'est bien, je me rappelle déjà plus. Pignon. C'est peut-être pas là, non, pignon. Filtré. C'est là. $46 000, enjoy, $92 000. Commandez. Ah bah, oh non, fuck off, alors attends, non, non. Je m'avoue pas vaincu, parce que regarde, je peux redescendre.
avec ça. Hop. Pignon d'entraînement. Ouais, 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 casse-toi. Est-ce que j'ai pris les bons trucs? Putain, j'ai eu peur. Quand on gère des sommes comme ça, ça fait peur. Hein. Et du coup, là, je suis bon, non? Tu vois. Quoi? Quoi, moins 8000? Qu'est-ce que ça veut dire, moins 8000? Ça veut dire que j'ai dépassé le 8000, non? Expliquez-moi. Je pense que c'est ça. On va remettre, du coup, on va mettre en mode montage. Choisir. Hop, on met ça, choisir aussi. Et en plus, je suis réparé des pièces supplémentaires au petit seigneur, donc il va me dire si ça lui suffit. Parce que là, l'addition va être salée, à mon avis. Ça, c'est pas cher, non? Bah voilà, non? Ça me semble bon, j'ai pas fait sa merde de commande là. C'est bon. Ah mais j'étais tellement proche de l'objectif. Chaque fois je vais là, je suis con. Juste là en fait. Ah bah si, j'ai les deux, c'est bon. Ok, bah je sais pas pourquoi il y a marqué moins 8000 hein, les débiles. Terminé la commande, bah voilà, j'ai fait au max. C'est comme avoir les 3 étoiles dans un niveau de... tout. Yo Angral. Bon, 1000 balles. Franchement là on commence à se faire plaisir. En une journée ça va en fait. Au début tu dis putain je suis payé 250 balles, c'est chaud quand même, c'est dur comme travail en plus. Mais maintenant vous voyez, 250 plus 1000 plus la première fois c'était quoi, 125, un truc de clodo encore. La gare centrale nous a informé que la locomotive il devait embarquer le train de passagers, le plus proche n'est pas arrivé à l'heure, vous devez aller vérifier ce qui se passe. Parce qu'on n'est pas du tout à l'âge des communications globales, donc on peut pas juste demander au mec. Non, faut que j'aille voir moi-même. On y va, sans quitter le garage, on est reparti à 100 km/h dans les virages. Alors, trouver le... Quand on fait un clic, personne peut le voir dans un clip de MyGo. Non, tu peux pas le voir, mais tu peux share le lien. Partage le lien de ton clip. J'accepte les liens des clips. En fait, les liens qui redirigent vers Twitch, ça me dérange pas. Trouver le train qu'il y a derrière. Dans... Oui, case E4. C'est où ça, mon petit... Je peux pas dézoomer, ça me rend dingue. Il est où le E là? Là-haut. Là-haut. E4. 1, 2, 3, 4. Ah mais c'est juste là. Ah bah putain, easy. L'argent facile quoi. Donc à droite, tu vois déjà il est pas bien calé. À droite, après ça devrait être bon. Alors on y va mon brave. Terminus diesel. Ah bah si, il est bien calé. Mais what, je le voyais pas comme ça moi sur la map. Bon bah allez, c'est parti. Mes petits princes. Salut Kalankun. J'espère que tu vas bien. Ah ouais non mais ces modos sont fous là. Allez, on va voir, on devrait le trouver assez vite du coup vu qu'il y a quoi, il y a genre une voie dans la E4, il y a une voie. Je vais rentrer dedans par contre, je vais le défoncer. Bon, j'aime bien aller vite mais on va freiner parce qu'on sait jamais. Eh mais là c'est les tropiques et tout. Oh. Alléluia. Merci beaucoup Angral, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir, c'est très gentil. Ah! Je suis dedans. Allez! Ah non, c'est pas bon pour les petits seigneurs là. Il faut que je recule. Putain. Il faut qu'il y ait l'avant dedans. Je suis un peu polyvalent. Quoi être épargne, quoi être en place. Allez, c'est bon là, je suis dedans par contre. En mode grue. Oh putain, mais il y a tellement de ressources dans ce jeu. Hello! Ouais, ah mais ça je m'en souviens. Merde, Lynn, c'est quoi ces touches de merde là? Par contre j'ai m'énervé, qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est... J'ai même pas les mêmes touches marquées, non? Si? Je sais pas, j'ai tant donné pour eux mais ils veulent pas de moi en fait. Et ça? Rotation? Je sais pas, ça marche pas. Hauteur, A et E, ça pourrait être pratique par contre si je veux pas être défoncé. Il faut que je m'accroche où là? Sur le grappin, installé sur le train déraillé. Il loue le grappin. Ah oui d'accord, ok. Sneaky un peu. Par là. Ah bah je crois qu'on va être presque dessus direct. Ok bon direct presque. Hop, on rétracte un peu si je puis me permettre. On peut descendre aussi. Hop. Ça c'est affaire de doigté j'ai envie de vous dire. Voilà, je racle un peu le bord, non c'est bon tranquille. Attache, oui. Moi j'appuie sur C, oui non, je crois qu'il faut que je descende d'abord. Alors la ligne par contre c'est pour descendre ou monter le truc. Vous voyez là il est en haut. Et je trouve pas la touche pour le faire descendre. Parce qu'ils me disent c'est une autre touche mais c'est faux en fait. Moi je sais qu'ils mentent, ça marche pas.
Celle-là, elle est où cette putain de touche avant que je casse tout? Ah, c'est là. Rien à voir avec ce que vous me dites, hein. C'est... Et hop! Ok, alors maintenant, attention. On extrait l'individu. Par contre, je vais me le rentrer sur la gueule, là. Hein. Comme ça. C'est le truc, t'as l'impression que ça pèse 2 grammes. Hauteur, s'il te plaît, oui. Ah, big boy! Je vais vraiment le ramener comme ça, par contre. Ah non, il faut que je le mette là, quand même. Pas déconner. Ça aurait été drôle. Le truc. Déjà, le train qui va à 90 dans les virages, et en plus, il y a un autre train accroché à une grue, tu sais. Non, ce sera génial, putain. Attention, par contre, ça pèse lourd, ces trucs-là. On dirait pas comme ça, mais... J'ai l'impression que c'est un jouet, là. Allez. C'est bon, on y arrive tranquille. Hop. Non! Faut pas tourner comme ça, là. Comment je fais pour l'empêcher de tourner? Rotation. Non, là, c'est la hauteur. Q et D. Ah, mais c'est faux, ça. Ah, mais si, c'est vrai, mais comment je fais, moi, pour qu'il soit bien? C'est bon? Alors, l'angle, comment je fais? Ouais, je vois la distance en haut à droite. Et l'angle... Rotation de l'objet, voilà. Sauf que ça, c'est encore des touches qui sont pas bien marquées. Je sais pas, il faut que j'appuie sur tout. Toutes les touches de la terre, en fait, hein, pour arriver à trouver. Lesquelles c'est? Non, c'est pas celle-là. Allez, rotation. Allez, rotation. Allez. Rotation. Allez. Allez. Vite. Très vite. Très vite à partir de maintenant. Hop. Manière fulgurante, on trouve. Allez. Putain! Ça me rend ouf, c'est qu'elle touche, là, je fais tout. Ah. Non, c'est la merde, ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Non, ça, oui, je vois, mais votre touche, non. Ah. T, c'est quoi? Maintenant, il bouge tellement... Mais genre, le truc rebondit, c'est un putain de train qui pèse 1 milliard de tonnes. Et il rebondit dès que je bouge un peu, quoi. Wouing. Bon, le truc, c'est un yo-yo, tu sais. Putain. Bon, alors, comment je fais, là? Je le tape contre les murs jusqu'à ce qu'il soit aligné, parce que je peux pas utiliser les touches qu'ils me disent. Peut-être par là. Non, mais c'est de la connerie. Oh, j'ai fait entrer, ça doit sauvegarder sûrement. Et puis cette musique là. Ah voilà. Ok, rien à voir donc. Hop. Comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Alors. Ok, maintenant tout ce qu'on a à faire, c'est pas ça par exemple. La hauteur. Donc la hauteur de la ligne. C'est comme ça. Oh putain, regardez. Oui, hop, exactement comme je l'avais vu. N'importe quoi. Est-ce que je peux juste revenir en arrière là? Oui, je peux revenir en marche arrière, non? C'est plus rapide. Je vais faire ça, je m'en branle. C'est peu commun, mais des fois c'est fait. Ça se voit quand même, des fois. Ça se voit. C'est M et pourcent. Salut Yamat. Salut Kezako aussi. Bienvenue sur mon site. Alors là par contre, est-ce que je peux... Ouais, attention. Il faut que je tourne le terminus diesel. Hop. Ça c'est fait, c'est bon. En tout cas, on est chill, hein. Si vous voulez vous endormir, on est bien. Jusqu'à ce que je hurle pour n'importe quoi la prochaine fois. Quelle heure est-il, Madame Persil, si je puis me permettre? Il n'est pas écart, Madame Placard, il est que 22h23, putain. J'ai l'impression qu'on y est depuis 150 ans sur ce jeu. Alors, le véhicule endommagé, oui, t'inquiète, je vais le réparer, moi ça va aller vite. Je suis arrivé à 90 dans la gare, mais ça dérange personne, ça. Taiki, il est sur PUBG ou pas, là? J'irai revoir combien ça a eu de vote. Ah non, mais j'ai dit qu'après, j'ai essayé le truc chinois, là. Putain, vous voulez vraiment vous faire les deux curses à la suite, là? Celui-là, puis le truc chinois? Horrible. On dirait que le problème vient des fixations endommagées du moteur sur les deux bogies. 500$ donc, hein, pour faire ça, tranquille. Je suis un ingénieur, mais on me traite comme si j'étais... Enfin bon, je vais rien dire, ça commence à me saouler, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui est rouillé? C'est simple dans ce jeu, c'est rouillé, c'est que c'est en mauvais état. Voilà, hop. Pas mode démontage, s'il te plaît, mode examen. Merci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, là? Ta-ta-da. Pas d'autre truc rouillados? Il y avait pas mal de pièces à trouver, peut-être que c'est sur l'autre, on va voir. You don't disrespect me. Ah, bah c'est les mêmes pièces de tous les côtés, c'est marrant ça, comme la nature fait ça. Hop. Ah, là.
Comme ça, on évacue les deux curses et après, on pourra passer à autre chose pour les autres lives. Non, ça marche pas comme ça. Si ces curses-là sont épuisées, j'en trouverai d'autres pour les autres lives à mettre dans l'Estropole. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même à voter pour ça. Ouais, voilà, je voulais voir ça. Je voulais voir cette chose-là. Quoique, je l'ai tous trouvé peut-être, non? On va regarder dans la commande. Non, il reste élément de fixation du moteur. Alors là. Je vois que dalle. Ah, Nixis qui est de retour. J'aime les curses. Le mec qui a dit qu'il allait se casser dès que j'ai mis ça. Après, il y a 20, il fait oh putain, c'est trop bien en fait ce jeu. Non, pas cette merde. Ouh! Là, je vois pas. Ta-ta-ta-ta-ta! Il va même falloir que je trouve, hein, ça va pas être possible. Là, c'est peut-être des trucs par là, non? Je sais pas, on va regarder les essieux, tout simplement, peut-être, on sait jamais, hein. Des fois, quand on dit que c'est un problème d'essieux, on n'y pense pas à regarder les essieux, mais... Ça, c'est le moteur, donc bon. On va dire que A, il y a la là, au milieu. Par là. Genre les trucs que je vois pas trop, là. Ça me perturbe, c'est des trucs... Allez, regarde les châssis en entier, on sait jamais. Ça, c'est des trucs, peut-être, que j'arrive pas à voir si c'est rouillé, vu que c'est dans l'ombre, un petit peu. The shadow of the sky. Da-da-dan-dan. Allez. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Hop. Non, mais toujours pas, mais merde, oh! Ça va, hein? Bon, je vais sortir celle-là. Des fois, c'est des pièces qui sont cachées derrière d'autres, on sait pas. J'ai un espoir de fou, là. Est-ce que je peux le sortir à... Ouais, direct, sans démonter quoi que ce soit d'autre. Allez, ça dégage, tout ça, là. Bonne soirée, Ricky. Casse-toi, Yankee. C'est marrant, hein, quand vous avez pas les mêmes... au revoir. Dun, dun, da-da-da-da-dun. Voilà, merci. C'est rouillé, c'est couleur marron. Ah bon? On me prend vraiment pour un con ici en fait, ça me dérange. Alors attends, parce que là j'arrive pas. Oh là! Ah, il faut que j'enlève les deux trucs. Bah tiens! Mode démontage, c'est parti. Cette musique par contre, il y a un moment je vais plus tolérer en fait. Bam 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 bam. Ah, da, 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 da. Nélectier, tu le vendrais pour combien mon oncle? Te connaissant pour pas grand chose. C'est chien. Tu peux me permettre, hein. Voilà, c'est pas pour être insultant ou quoi. Bon, là, c'est légèrement chiant. Voilà, merci. Et il y en a combien encore? Voilà, 1500 en plus. Hop, c'est bon? Ça c'est pas rouillé là, mais il y a des trucs comme ça on dirait là, que c'est un petit peu limite rouillé quoi. Bon, moi si tu me demandes, moi je trouve ça rouillé, mais apparemment non. Hein. 90%. Tant pis pour vous, j'ai envie de vous dire, cassez-vous. Je vais démonter les autres déjà. Ok, là il y a encore un milliard de trucs à dévisser. Voilà, c'est là qu'est le fun. Dam, dam, dam. Je sais même plus combien je l'ai payé, Train Mechanic Simulator, tiens. Cher, j'imagine. À quand du Dark Souls? Bah, c'est là. C'est quoi là, d'après toi? C'est un peu ça là, hein. C'est une épreuve déjà. Je sais pas, Dark Souls, il faudra qu'on fasse. Le truc de Dark Souls, c'est qu'il vaut mieux faire que ça sur le live. Il a 15€. Non, mais j'ai pas pu le payer 15€, il devait être en sol quand même. J'ai pas abusé. Se calmer là. Hein. Calmez-vous. Faites pas honte. Me faites pas honte devant tout le monde. Non, mais Dark Souls, il faudrait se dédier un live parce que si on joue à Dark Souls, maintenant c'est des challenges. Parce que bon, on est des hommes ici, donc on fait des challenges ou rien. Et le truc d'un challenge, c'est que ça dure 10 ans si je suis une merde. Comme en général, hein, bon. Voilà, je veux pas me vendre avant les faits, mais... en général, je suis bloqué sur quelques trucs quand même. Alors là, il y a pas du rouillu ici? Ça, là. Oula, ça, c'est limite, ça. Je veux pas le démonter, non, je vais juste l'examiner. Merci. C'était pas loin, je pense. Non. C'est peut-être ces conneries là. Regardez-moi ça. Ça c'est fourbe, ça. Ça c'est fourbe de ouf. On n'y pense pas, on regarde pas.
On se dit c'est bon, tout va bien, et en fait, ça poignarde dans le dos. Un challenge de endurance. Non mais ça va, je suis qui moi? Je suis pas un streamer temps plein Dark Souls. Hein. Faut des trucs possibles. Allez, c'est parti, on va dévisser des trucs encore aujourd'hui, vous êtes prêts? C'est quand qu'on change de jeu? Oula, mais... Quand les gens en auront marre en fait, parce que là tout le monde s'amuse. Hein. Aux dernières nouvelles, tout le monde s'amusait ici. Sur ce jeu là. Hop. Élément de fixation du moteur. Mais attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, j'ai pas compté comme il faut. 1, 2, 3, 4, ouais, non, 6. D'abord, on est d'accord. J'ai regardé, j'en ai. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, mais il y a ça qu'il faut enlever là. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 1, 2. Ah, si, c'est rouge. Ça, c'est. 3, 4. Ah, mais je les ai tous, non, en fait. J'ai un peu de mal à compter les choses des fois, faut. Faut me laisser le temps. Alors, qu'est-ce que je répare ici? 100%, allez hop, c'est parti, ça dégage déjà. Chance de réussite 100%, tranquille, tu viens chez moi, ça te coûte pas cher, je répare tout. Chance 100%, allez hop, ça passe direct. 66%, oula, je vais tenter, allez. Ah, m'en fous, je tente une autre, je suis un mec, je suis un fou, je parie moi. Yes, ok, ratio de 1-1. Beaucoup trop galouche, hein. Beaucoup trop de gens qui ont regardé en entier. C'était ouf. Sauf que j'avais fait deux des FAQ. Et sur les deux, il y a des gens qui regardaient en entier, ce qui est dingue. 2% quand même, ça vaut le coup de d'essayer quoi. Si elle est foutue, je vois pas comment il peut plus l'endommager, sérieux. Ah, celle-là, elle y arrive par contre, hein. Allez, 13%. État de 13%, j'ai 100% de chance de. Non, j'ai combien? 70% de chance. Yes! Il y en a eu qu'une seule qui a fail. Ça veut dire que je vais quand même devoir en racheter une. Ça je réparais 100%, tiens c'est pour moi, ça passe sur la note tranquille. T'inquiète mon ami, c'est gratos ici. Bon, bah y a juste ça qu'il faut que je rachète sur la table, sur le tableau pardon. Comment ça s'appelait? Fixation du moteur. Allez, 1600 balles hein, quand même cette merdasse là. J'achète, mais frais d'exposition 10€. Oh yes! Yes! On a l'objectif! On a totalement l'objectif! Je vends cette merde 41$, sérieux quoi? C'est le bon coin? C'est quoi? On le vend où, tu sais? Hop! On va là-dessus! Tranquille! Mode montage. C'est vrai que j'ai pas à choisir les pièces et qu'il me les propose tout seul, sinon. Ah bah si. Fixation du moteur, c'est parti, je m'en fous. On y va. Enfin, il me propose les bonnes pièces quoi. Un défi contrôle inversé, ouais. Mais ça, c'est juste, en fait, je préfère faire des streams quand je fais du Dark Souls qui sont que Dark Souls parce qu'il faut que ce soit des gens qui soient préparés à me voir échouer, quoi. Si tu veux. Tout le monde n'est pas prêt à me voir échouer pendant 3 heures de suite, au même endroit. Allez, celle-là, c'est bon. On a encore fait l'objectif, hein, voilà, je vais juste vous signaler qu'on est des bêtes. Yo, Darty, j'espère que tu vas bien. Je donne mes playlists, ça va swinguer. Non, mais là je préfère ça. Je préfère ce qui est en fond que les playlists. Que les playlists comme ça, là, tu vois. Ça, je suis très content d'entendre ça. À côté. Allez, hop. Une run de 10 PV, c'est possible, c'est one shot quoi, en gros. Les abonnés sont prêts, ils ont une emote exprès pour le prouver. Ça, c'est vrai que cette emote là sur Dark Souls. Tellement me l'a bouffé dans la gueule, mais H24, je pense. Ce sera que ça le chat. Ah ouais, faut toujours que je fasse tout à 100%, ça c'est clair. Hein. Échouer à 100%, ça je le fais souvent d'ailleurs. Tu vas te faire time out, hein, Yamat. Je sais pas pourquoi, mais ça va sortir. Si on met des billets dans ton string, on peut changer. Non, mais on va changer. Après, vous avez voté pour l'espèce d'horrible merde chinoise. Là, vous allez bien être content qu'on joue à ça encore. Et après, vous allez dire, oh, mais quand même, c'est pas ouf comme jeu. On savait pas, on croyait que ça allait être bien un truc qui s'appelle Chinese Lua, je sais pas quoi là. Oh, Train Mechanic Simulator, on pensait que ça allait être un peu plus. Enfin, un peu plus d'action quoi. On peut changer, s'il te plaît. Ta-da-da-da-da-da-da. Ah bordel, oh! Voilà, c'est fait.
Ok, j'ai ça là-bas. Non, c'est bon. Ah si. Bon bah allez hein. Pourquoi j'ai pu mettre l'autre... Ah oui non, je suis con. J'allais dire pourquoi j'ai pu mettre l'autre pièce avant, mais c'est normal en fait hein, ça c'est pour fixer la pièce. Non. Allez bordel. On a bientôt fini, après on va refaire un stropel. Qu'est-ce que Taiki il devient là? Est-ce qu'il est en train de jouer? Est-ce qu'il est encore en stream Taiki? Est-ce qu'il a eu des questions embarrassantes? Ouais, petite musique de Redneck, hein. C'est que ça depuis tout à l'heure d'Arty. Ok, là je crois que c'est bon non? Fixation du moteur. Oh. Ah oui, il reste celle-là. Ah, il restait un petit plaisir quand même, faut pas déconner. Il faut pas déconner, on sait se faire plaisir ici. Et je vais te payer combien? 500 pour cette merde? 1000 peut-être? Bon ça remarque 1000 mais... C'est honnête. Bah c'est bon là. Plein de thunes en plus parce que j'ai fait les primes et tout. Ah voilà, du coup attends, j'ai posé des questions et j'ai... Faut que je vois les réponses là. Célib. Ah non mais... En fait le cercle gamer, si tu veux Arius, il y a plusieurs personnes... Enfin il y a... Ouais non, il y a une personne qui veut plus le faire et après les autres je crois que... Enfin moi tu vois, j'ai toujours été chaud en fait pour débattre et tout ça, un petit peu défoncer Taiki sur les débats. Le truc c'est que Lou elle veut plus faire le cercle gamer. Et après je sais plus pourquoi, on a plus fait après mais... Voilà. En gros, c'est ça l'explication, c'était bien hein, c'est plus vague qu'avant en fait. On va faire un stropole. Qu'est-ce qu'il y a là, ça rage...